Me revoilà pour une nouvelle critique. Oui. Alors, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier. Nous sommes le 18 juillet. Oui, c'était la Sainte-Frédérique, mais c'est pas ça le plus important. Non. Je me balade, voilà, et on s'était donné rendez-vous avec ma femme, mes enfants et des amis à la plage de la Trinité-sur-Mer. Moi, j'étais parti bien avant parce que je voulais pas redécouvrir. Je connais par cœur ma ville, mais je voulais. Eh bien, marcher. J'avais besoin de marcher. Moi, j'aime beaucoup marcher, marcher, marcher. Et je découvre pas mal de choses. Comme aujourd'hui. Et on s'est dit, tiens, plage, pizza. Il y a une pizzeria à côté, on y va. Il n'y a pas de souci. Sauf que il y avait marqué ouvert, il y avait tous les panneaux, et ben cette pizzeria n'était pas ouverte. Elle était fermée de chez fermée. Alors, moi j'envoie un message à ma femme, parce que j'étais pas voir là, elle me dit, bah, est-ce que t'es pas loin de tel endroit, parce que pizza, il y a un problème. Non, non, je n'étais pas proche. Et après, j'envoie un message qu'elle n'a jamais lu, et à la Trinité. Et à la Trinité, il y a sans doute des pizzerias. Elle n'a jamais reçu ce message. Mais elle a eu l'idée, comme moi. Ma femme a beaucoup plus d'idées que moi, je l'avoue. Eh bien, elle s'est renseignée via portable, internet, tout ça. Et elle a trouvé une pizzeria qui s'appelle Portavia Pizza. Elle téléphone, et dans une demi-heure. J'arrive, on s'amuse un petit peu à la plage, on se rhabille tout ça, et on vient en voiture, ici. Parce que la plage n'est pas si près que ça. On passe juste devant. On se gare, on va voir. Ils étaient quatre à faire les pizzas. Je disais donc à faire les pizzas. Et on a pris quelques boissons, pas chères, voilà. Très sympathiques, avec les sourires jusqu'aux oreilles. On a naturellement payé, tout ça, voilà. Et ensuite, on a été manger au port. Les pizzas. Et dans cette pizzeria, je rappelle le nom, Portavia Pizza, voilà, qui se trouve à la Trinité-sur-Mer, eh bien, sachez que les pizzas sont excellentes. L'équipe, en plus, il n'était pas très tôt, hein, on s'est pris un peu tard, hein, disons, ils étaient ouverts. Toujours, alors, il y avait nos pizzas, mais il y en avait d'autres. Ils vendent naturellement des boissons. Demandez-leur, ils vont vous dire où ils sont. Je disais qu'ils étaient à la Trinité-sur-Mer. Alors, vous voyez le port, tout ça. Vous vous dirigez vers le marché, là où se trouve le marché de la Trinité-sur-Mer. Vous continuez tout droit et ça sera sur votre droite. C'est facile à voir, même de loin, parce qu'ils sont en orange. La rue, c'est rue de Voulier. Voulien. Je vous montre. Voilà, j'espère que vous avez réussi à lire. Allez-y. Faites-vous plaisir avec les pizzas. Hein. Commandez par internet, tout est possible. Allez chercher vos pizzas. Dans la demi-heure, c'est prêt. Et allez vous régaler. Attention, si vous régalez comme nous, au port, ramassez vos ordures
et jetez-les, et jetez-les. C'est pas une question, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Voilà. Bon ben moi maintenant, je continue ma balade. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine critique. Kenavo Béchal, gros bec, et à très bientôt pour de nouvelles critiques.